L'OTAN a entendu ce finalement ce samedi 28 octobre 2023 que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé atterrit finalement à Iziro dans la province du Haut-Tuélé, gerbe de fleurs, civilité par le gouverneur de province Christophe Bassené-Nonga, les honneurs, puis les salutations au comité d'accueil, toutes réglées comme du papier à musique, avant de communier avec sa foule venue nombreuse pour saluer l'émissaire du chef de l'État. Juste après, le cortège du chef du gouvernement prend la direction de Poco à la limite avec la province du Bas-Uélé avant de rebourser chemin pour finalement faire escale ici, au centre de santé construit dans les cadres du programme de développement local de 145 territoires de la RDC. Ici au centre-ville, c'est toute la ville qui s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à l'émissaire de Félix-Antoine Tshisekedi. Naye awa na Congo, y a son excellence monsieur le président de la République. Oyo biso tobengaka fachi béton, Eza Makambo ya sécurité, Eza Makambo ya santé. Excellence, Monsieur le Président de la République, a bandi programme ya gratuité de l'enseignement. Makambo ya balabala, Toza. En se faisant accompagner de ministres du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de la communication immédiate, de relations avec le Parlement, de vice-ministre de Mines et de l'EPST, Samalou Kondé voudrait apporter les solutions aux différents problèmes auxquels est confronté le Haut-Tuélé en dépit de ses prouesses sur le plan de développement.